Et c'est le bonsoir! Comment allez-vous les amis? Je suis... Ah, ma cam a bougé. Alors, ça fait plaisir. Alors je suis pas en jarret déjà. Je suis très fatigué. Mais j'avais grave envie de jouer parce qu'hier on n'a pas joué. J'espère que vous allez bien. Comment il va le Iron? Toujours au taquet, toujours présent, rassurez-vous, toujours la banane. Toujours debout. Alors on est vraiment dans un mode un peu child, hein. Même s'il y a la cam, même si tout ça, tout ça. Sinon je vais bien, mais je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai une période assez relou au boulot là. Tout le monde est en congé, donc j'ai beaucoup de responsabilités, on va dire. Pas de pompe quoi. Oh. J'avoue que si vous me faites faire des pompes, je serais dégoûté. Ah bon, oui, ce bot, quel homme. Bah, carrément. Carrément. Un nouveau follow pendant que le live était hors ligne. Merci à Luc la main froide, qui vient sûrement du live de Keria. Bienvenue à toi, si tu vois ce replay ou si t'es là. Allez, on reprend notre aventure Assassin's Creed, tranquille ou bilou. On est en mode pépère. Ah, je vous le dis, l'animation sera faible de ma part. Parce que je suis la fatigance. Alors, on en était où, les amis? On avait fait... Ah, déjà, on avait baillé. Bien, bien comme il faut. On avait fait pas mal de choses. Et là, on est occupé de finir la zone de Megaris. Et pour, du coup, gouvernement... Ouais, on doit péter le gouvernement athénien le plus possible. Pour aller enfin péter la gueule aux... Comment ça, ils appellent ça déjà? Aux dirigeants. Ici. Donc on va aller voir ce que c'est ça, déjà. Sinon on a tout fait, hein, carrément. Quasiment. Et on va aller plus loin, voir là-bas. C'est Iron Manio qui anime le chat aujourd'hui. Ouais, voilà. Regardez pas le live, regardez que le chat, les amis. Comme d'habitude, hein, s'il y a des petits soucis techniques, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça peut-être ramer un peu au début. C'est le temps que le PC s'y fasse. Donc ici c'est tout, c'est juste une ville. Y'a rien à faire ici, y'a rien à trouver. Pas de quête, rien du tout. Une ville assez médiocre, hein. J'aurais presque qu'à la cramer. On va pas voler. L'orange du marchand. Nul. De quoi nul? Quoi nul? Pourquoi tu dis nul? Alors on va aller jusque là. Il y a une belle photo ici, qu'est-ce que c'est que cette belle photo? Oh magnifique. Beau coucher de soleil au-dessus. Arbre de couleur. Voler moi jamais. Mais t'es le pire. Qui c'est, il est le pire. Oh, il y a un mercenaire ici. Ah, ils disent que le poison est plus efficace que le feu contre sa tronche. Ah, le jeu, vous nous aidez trop là. Mercenaire. Peu neuf. Ok, et moi je suis là. Le porteur d'aigle. Yeah. C'est non. Ikranos, ton. Ah oui, c'est Kranos. C'est celui qui commandite plein de trucs dans la ville là. Ah, bien vu. Alors on va aller là, on va aller à la porte là. On va appeler son poney. Hein? Pourquoi c'est barré le cheval là? Oula, oula, pardon. En fait c'est pas l'inverse. De quoi? Virage. Ouais. Ah si c'est pas l'inverse, si les dégâts de feu vont mieux que les dégâts de poison. C'est de ça que tu parles. Le feu plus efficace. C'est vrai? Augmentation des dégâts dus au feu. Réduction des dégâts dus aux attaques. D'accord, ah c'est l'inverse. Ouais c'est bizarre hein, le code couleur. Généralement on met en vert ce qui est bien et en rouge ce qui est pas bien. Bizarre non? Je sais pas, j'assis. Je sais pas, moi je regarde pas ça, moi je défonce la gueule à tout le monde, j'utilise pas de feu ou autre moi. Les loups on s'en fout. Nouveau lieu découvert, Megara. D'accord. Ok, ça a dévoilé la map je suppose. Même pas, pas encore.
Alors attends. Pourquoi il est pas disponible, Icaros? Il est où? Oh putain. Ouais, casse-toi. Le feu c'est pas bien pour lui. Ouais, je l'ai compris, merci. Oh, lui là-bas. Alors c'est à ça que ressemble la guerre. Différent de ce qu'on en dit. Voilà. Peau de loup. Ah, mon pigeon, c'est bon, je l'ai. Alors, est-ce que c'est des méchants ici? Soldats légers. C'est des Athéniens. Ah non, c'est une ville, c'est pas que des Athéniens. Oh, il y a le gars que je dois tuer là-bas. On va se le faire. YOLO! Non, mais je sais même pas si c'est des ennemis. C'est pas des ennemis, ça se fait. Non, c'est une ville. Il m'aurait déjà tapé. Il m'aurait déjà cassé la gueule. Alors, bon, on va faire le saut du pigeon là. T'as vu, il y a un nouveau truc avec les points de la chaîne. En fait, vous pouvez décider de mettre vos points dans une sorte de tirelire. Et au bout d'un moment, bah, de cette tirelire, il y a un truc qui s'enclenche. Et les gros mots sont un peu plus chers. Ouais, je les ai mis un peu plus chers parce que c'est sympa les gros mots, mais des fois, vous pouvez les enchaîner assez vite. Et ça casse un peu le rythme du stream, je trouve. Donc, tu vois, ça. Des fois, je passe 10, un quart d'heure à dire des gros mots. Alors que il y en a, ils sont pas là pour ça, tu vois. J'aimerais que ça soit un peu moins régulier. Et comme bon, y'a que toi qui te demande des gros mots en soi, hein. Mais comme t'es abonné, ça va vite quoi. Y'a beaucoup de musique copyright sur ce jeu. Mais il est con. Quand j'exporte sur YouTube mes lives, j'ai des réclamations tout le temps. En soi, je m'en fous. Mais j'espère que. Du coup, niveau Twitch, ils vont pas me la faire. Romo, Pompero. Mais normalement, t'as. En haut, t'as animation pour tous. Un truc de collecte. Tu vois pas? Alors, on a découvert le pigeon, donc c'est bien, on pourra faire du TP. Les tableaux d'affichage, on va pas les faire tout de suite. On va les faire que si on a besoin de level up. On les fait en endgame. Moi j'ai bien envie d'aller casser sa gueule. Hein. Ouf, bah quand tu cliques sur le truc pour choisir comment dépenser tes points. Normalement. Quand on saccade en ville. Ils vont monter la garde dans les environs. C'était le capitaine? Sérieux? Pourquoi il prend feu? Je suis trop fort, c'est le capitaine. Alors, il y a quoi? Des ravitaillements? Alors le coffre il est là. Ici il y a des ravitaillements. Deux ravitaillements, trois. Trois ravitaillements. Non, autre chose, d'accord. Et puis c'est bon. J'ai rien de div de d'habitude. Ah bon? C'est étonnant. Merde. Il casse ça dans ses gueules. Et du fer, il avait du fer dans sa poche. Alors on loot avant de détruire. On a bien appris nos leçons. Bah j'ai rien pas. Ah ouais?
Bah, j'ai regardé, peut-être qu'il faut un réglage pour que vous le voyez, je sais pas. Après, t'es sur mobile. Est-ce que sur mobile il apparaît ce truc là? Mystère des boules de gomme. Oh merde, ils viennent par ici. Oh zut. Bah! C'est naze. Vas-y, par contre, fais pas 1000 ans d'exécution, on doit même avancer. Ah merde, ils ont vu des cadavres. Hop. Et lui, il se demande quoi ici? Il va ressortir. On va le choper. Bonjour. Bah, tu l'as bien validé? Bah oui, oui, moi je le vois quand j'y vais. Moi, je le vois très bien. De la thune. Alors ensuite je... C'est bonne cette douche. Pigeon. Pigeon, où je dois aller? Là. Moi je suis où? Là. Ça s'ouvre ça? Yaou. Non mais c'est pas grave, mais en gros, s'il y a une collecte de 100 000 points, j'ouvre les animations pendant une semaine. Alors j'ai mis une semaine, mais bon, je me dis si je live qu'une ou deux fois dans la semaine, c'est un peu chiant. Mais j'ouvre les animations à tout le monde pendant 3 streams, comme ça. Ah, on a trouvé l'aucun. Une étrange requête est apparue, afin d'éliminer des archives. Ne voulant pas d'ennui, j'ai fait un petit voyage à l'ouest. Vers les monts Gerania. Plonge au cœur de la baie et tu les trouveras sur une étagère dans une ruine engloutie. Bon, les okra machin là, on les fera aussi plus tard. Ça me plaît comme truc, mais pour l'instant, on va faire tout ce qui est quête secondaire, les lieux. Merde. Merde, le coffre là-dessus. Ah, il est dedans le coffre. Comment on va? Donc voilà, j'avais vu qu'ils avaient mis ça en nouveau. Je savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit, tiens. Du coup, comme c'est une histoire de collecte, il faudrait un truc qui profite à tout le monde. Et je me suis dit, bah voilà, comme ça, les abonnés, ils ont pas besoin de ça. Peuvent jouer avec les animations ou les points de chaîne. Les personnes qui peuvent pas s'abonner, eh ben, peuvent se collecter pour avoir les animations pendant 3 lives. Je pense que je vais changer ça, je vais mettre pendant 3 lives. Et ça commence à être mieux tout ce que je trouve là. Après je pense qu'il faut garder plein d'armes parce que vous avez vu, les mercenaires ils ont des points faibles. Donc si on veut se faire un mercenaire, il faut avoir tous les types d'armes, on va dire. Hop, c'est là-bas. Beaucoup d'argent dans leur pool ici. Hein. Merde. Beau mon lancer de torche. Puissance nationale, moins 30. Il y a presque plus de puissance, les amis. On est bon, ça va bien bon. Demeure de dirigeant, c'est fait. Je crois que Iron il est occupé de chercher ce qui se passe. Pourquoi il voit pas? Me permettrait pas de ne pas voir les choses que Para prépare. Allez, on va aller par là-bas, on va continuer d'explorer la zone. A versé en tout 1600 blabla quand même au défi animation pour tous. Voilà, tu l'as vu. Tu l'as trouvé. Voilà, exactement. Donc à 100 000 points, je crois que j'ai mis 100 000. Hein. J'ouvrirai les animations à tout le monde.
pendant... Alors j'ai mis 7 jours, mais je vais plutôt mettre 3 lives parce que... C'est... Enfin, ça dépend en fait de ce que je prévois. Parce que si en 7 jours je fais qu'un ou deux lives, c'est con. Pour vous. Par contre, si en une semaine je fais 10 lives, ah, ça va être bien pour vous, tu vois. À voir. J'ai dû aller sur Chrome. Ah ouais. Alors on doit faire quoi ici? Trouver la stèle ancienne. Il y a des gros coffres et tout. Elle est où la stèle? C'est honteux. Que pour un ordinateur, je pense. Il a volé. Bah écoute, je pense pas qu'ils ont besoin de ça. Je sais pas c'est à qui. Elle est où la stèle? En fait j'ai pas volé, je cherche où aller la stèle. C'est quoi, il y a des petits cochons, des petites tirelis. Caro c'est indisponible, pourquoi? Parce que j'étais... Mais Mikaro s'il sait pas où il est le truc. C'est quoi ça? Putain, il voit plein de trucs, cet oiseau. C'est vraiment le best. Ah, c'est peut-être là-dedans. Non, c'est un autre lieu, ça. Non, voilà, il y a un tombeau. Trouver la stèle ancienne. Bah alors, je vais chez quelqu'un. Je sais pas c'est qui, donc je prends. Ah, il me prend mon propre jeu. Non, mais cherche la stèle. Ah, c'est peut-être là. Non, ça se casse, ça, peut-être. Ah. Mais voilà, mais j'avais pas vu la stèle. On voit rien du tout. Il est aussi noir que dans un trou du cul. D'avoir un truc à casser, ouais, je l'ai vu. Ouais, mais voilà, je. Ah! Oh merde! Il fait au tapis. Ah! Reste debout, petit serpent. Oh! Ma flèche s'est enflammée au passage. Du cuir souple! Cuir de serpent. Il y a des serpents, ça peut watch. Ah, ils peuvent one shot les serpents? Je fais bien gaffe alors. Bon oui pardon, du coup j'ai volé. Pardonnez-moi. Je pensais spammer le Y et trouver la stèle. On va mettre un peu de lumière ici. Ah, merci. Merci. Alors il y a un coffre par là-bas. Pas de serpent ici. Un serpent là-bas. Une gueule. Avec un. Un arc. Ah, on n'a pas eu la stèle. Oh merde alors. C'est pas là. Bon, tous mes points vont aller dans le Coucou. Nouveau truc. Ah ouais, c'est vrai. Coucou. Comme tu veux, hein, vous faites comme vous voulez. Parce que je me disais, comme tu es déjà abo, c'est peut-être pas utile pour toi. Et puis je l'activerai quand tu auras du monde. Coucou mon Ravenor. Comment ça va? Ah, c'est ça la stèle. Ah, première fois qu'on trouve une stèle. Dans Origin, il y en avait dans les pyramides aussi. Il enlève les poussières, mais t'as que ça à foutre. Il arrive peut-être pas à la lire. Je suis méchant. Et là, c'était les découvertes. Point de compétence. Ah ouais, j'ai levé là tout à l'heure. Je sais plus. Ouais, faites-moi pas faire des pompes ce soir, les amis. Je suis claqué de ouf. En fait, je devrais même pas dire ça. Je suis débile, mais. Fais confiance. Niveau 16. Progresser dans l'histoire. Mais moi je vais améliorer les trucs que j'ai déjà. Foyesh.
Il y a un nouveau truc contre des points. Ouais, mais si vous êtes abo ou modo, ça sert à rien. C'est plus pour les nouveaux qui peuvent pas se permettre de s'abonner. Et ben, ils économisent un peu pour pouvoir faire le défi. Donc je peux rien prendre. Si, je peux prendre ça. Affecté là. Ça, c'est pas mal. Je sais pas. Étourdi les cibles proches à l'aide d'un éclair. Ça, j'utiliserai jamais. Bon, on va économiser, vous savez quoi, parce que là, il demande requis en niveau 16. Progresser dans l'histoire. On va économiser les points parce que ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Tire 3 flèches. Les dégâts de chasseur. Ouais, non. Ah, ça, on va pas le prendre ça parce qu'on l'a déjà fait dans Origin. C'est notre gameplay Origin. On va jouer à autre chose. Bon, on va peut-être prendre la charge. Laquelle? Permet de foncer à travers les ennemis. Et ça sert à rien. Ouais, on va prendre la charge du buff là. Permettre de varier le gameplay un peu. Ouais, TKT, je suis clair aussi. J'ai pas beaucoup dormi et je me suis motivé à aller au boulot à pied. Ah ouais. Bon, ça va encore marcher. Enfin, marcher, je trouve que c'est pas très fatigant. J'aime bien marcher, moi. C'est fatigant après une journée de taf. Oh! Ah merde! Ah! J'ai failli m'avoir là. Trêve. On a eu les bêteuses, les amis. On a une belle arme là. On a des flèches différentes. Oh! Dégâts d'assassin, dégâts de guerrier, dégâts crit, mais c'est parfait ça. Allons-y, let's go. J'ai repris ma voiture sans hésitation. Ouais, mais. Quand tu passes ta vie sur un ordi, aussi bien au boulot qu'en passion, faut bouger un peu son cul. Ah, c'est pas du vol. Là, ils disent que c'est pas volé. Bon, c'est pas volé, on peut. Pas marqué volé, laissez-moi tranquille. Bah, le retour était plus compliqué, surtout avec la chaleur qui fait. Ouais, ouais, mais ça fait. Enfin, après, chacun son truc, mais moi j'aime bien marcher. Et mais j'ai horreur de me presser. Ça, c'est bien un truc. J'ai horreur de courir après un bus ou un train ou un métro. Bah, métro, c'est rare que tu cours après un métro. J'adore prendre mon temps. Gérer mon temps et prendre mon temps. Je ne sais plus par où je viens. Par là-bas. Je viens de là-bas. Mais j'ai descendu. Ah merde, je reviens à la stèle. Je me suis paumé. Mais ça va, j'ai 30-40 minutes. Ah oui, par contre, c'est tout à pied. Je marche tranquille. Ouais, bah ça va, 30 minutes à pied. Tu mets une petite musique dans les oreilles, tu marches pépère. Ton aise. Moi j'aime bien faire ça. Avec un masque marché, la chaleur qui vient. Non merci. Bah nous on n'a pas la. On n'est pas obligé de porter un masque s'il y a personne à l'extérieur. On a. Enfin s'il n'y a pas de gens à l'extérieur. En extérieur on n'est pas obligé de porter de masque. Je mets pas le masque dans la rue, je suis pas en Belgique. c'est un peu cruel de dire de mettre le masque dans la rue quand même. Parce que en soi, allez, on va aller voir le lieu là. En soi, être dans la rue et qu'il n'y a personne, c'est voilà. Moi, je dirais plus qu'il faut mettre le masque dans à l'extérieur s'il y a du monde autour, genre type un marché ou un truc comme ça, ou un événement extérieur, ou je sais pas, mais. Mais imagine, tu te prends une amende parce que t'es au milieu d'un champ. Sans poser de questions. Ce doit être le campement d'Irkanos. Oh non. Pas la torche, ça va les couilles la torche. Et là je brûle quelqu'un, tu sais. Oh merde, j'ai mis une incendie. Pardon. Ah. Oh, j'ai alerté des gens. Alors repends-toi là. Ouais. On va se mettre là, on va se cacher là, on va faire le coup du pigeon. Alors on avait détecté ça déjà. Hop, hop, hop. Le. Alors ça c'est le capitaine et trésor, il est là. Bon, on a tout le monde là. On va essayer de détecter les éventuels ennemis. Pire, on les défonce. C'est qui ça? Kranos. Ah, je dois le buter. Il est là. On va se le faire. Ça, c'est des gentils.
Tu regardes de gauche à droite pour pas faire écraser. Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde en plus avec les potes. On voulait faire un tour. Mais là, vous voulez aller où il y a plein de monde. Ah bah c'est sûr que là où il y a plein de monde, tu mets le masque. Hein. Mais c'est la logique. Franchement, c'est logique. Même moi, si je suis en extérieur, s'il y a du monde. Tu vois, par exemple, quand je vais prendre mon train, que je sors du métro. Bah toi, tu connais Ravenor, hein, je... Pourquoi il y a un vautour qui se ramène. Quand j'arrive à Europe et je dois aller à Flandre pour prendre le métro, je garde mon masque parce qu'il y a du monde. Il y a du monde et il y a énormément de passages surtout. Tous les ducons qui... Parce que sérieux, tout à l'heure j'ai pris le métro. Les types ils ont bouffé des graines de tournesol et ils ont craché les graines par terre. C'est un peu lamentable. Donc comme moi dès qu'il y a trop de... Dès que je sais qu'il y a du passage dans cet endroit-là, je garde le masque. Ouais, c'est chiant, ouais, c'est relou. YOLO! Il est super long ce YOLO. Hein. Plus je l'entends, plus j'ai l'impression qu'il dure 10 plombes. Oh merde, il y a le. Merde, il y a le mercenaire. On va le laisser passer. On va commencer avec un assassinat sur sa poire. Hop. Qu'est-ce que je lui mets? Hop 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 hop. Ah, tu rends ça trop facile. Tu sais que tes forces t'abandonnent. Allez, crève. On l'a démoli. On l'a juste démoli. On est au taquet. On l'a marave, comme on dit. Ouais, normal. Putain, mais il y a des cerveaux, on se demande où ils sont passés. Non, mais les types, ils mangent des graines de tournesol. C'est pas très Covid du tout, du tout, du tout. C'est en pas, en kit. De quoi? Je fais du shiny hunting en même temps. Taureau. Ouais, j'ai pris le taureau. Mais les gens sont vraiment. Et voilà, la thune. Je n'ai pas encore l'assassinat critique. Je le conseille après. L'assassinat critique. Alors on a eu les dagues de l'autre. C'est bien. Hop, on va garder ce type d'arme là. C'est où l'assassinat critique? Ah c'est ça, assassinat critique. Requis niveau 10. Et pourquoi je peux pas l'avoir? Pourquoi c'est verrouillé encore? Il faut que je débloque des trucs en dessous? Ils le disent pas. Ouais mais pourquoi pourquoi je peux l'avoir niveau 10 mais j'ai pas dépensé assez de points peut-être? J'ai 9. Oh. Quel con. Quel con. Je suis fatigué, on va mettre ça sur... la fatigue, hein, on est d'accord. Eh bah du coup on lui a buté le cul lui, c'est pas mal ça. Voilà. Tableau d'affichage, on fera en endgame. Mes amis. Alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. On va aller au forgeron et après on va aller casser la gueule à Calon l'opportuniste. Si les opportunistes frappaient à toutes les portes, elles semblaient aller d'abord chez Calon. Qu'il se soit agi de chance ou que cela ait reflété un vaste réseau d'informateurs, Calon était toujours averti à l'avance. Oui, il y a ça, allez voir, mais je sais pas si c'est... Ah oui, si, on va aller voir ça avant. Voir ça. Mais si on peut, ouais, quelques décès, et ça sera bon. Ah, c'est tout là-haut. On va grimper. S'il te plaît, le jeu, arrête de ramer.
Ça me ferait très plaisir. Tu as eu la gravure max avec les dirigeants? Attention, attention. Me spoilie pas tout. Ah, c'est un fort. Cool. Zeus et Phéisos. Alors, pigeon time. On va pas le sauver tout de suite parce qu'il va se faire. Attends, il y a quelqu'un. Voilà. Pigeon. Il est là-bas. Ok, c'est là-bas. Il y a des gens là. Il y en a un qui arrive là. Oh, oh oui. Oh, cette chute. Qui m'a vu? Ah, elle m'a vu. Oh, merde. Oh. Faut qu'on reste près de la falaise, on va les faire tomber. Merde, 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 merde. Tu n'as aucune chance. Viens, 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 viens. Vous avez pas entendu? En tombant, elle a fait. Je l'ai perdu. Ah merde. Ah, pour la looter, c'est chiant aussi. C'est pas, elle avait du stuff. Plein de dirigeants, on a une gravure ultra. Allez, casse-toi. Entre chez ta mère. Ce sont les dieux qui t'ont mené à moi, Mystios. Je te suis à jamais reconnaissant. Non, non, mais dis pas que je suis un dieu, je vais rougir. Et on a la tablette. Lui, on va l'escorter un minimum parce qu'il y a deux. Alors, le gars il est censé s'enfuir et je dirais qu'il y a une chiasse de l'espace et qu'il n'ose pas courir. Je passe passer niveau 10 avec ça. Caloussli. Il y avait encore des. Encore des copains là. Ils sont où? Ils sont tous entre. Quelle bande de cons. Alors, et encore une zone de fée. La vie du petit déjeuner. On va aller au forgeron revendre toutes les petites merdes qu'on a pu trouver. Allez, y'a T'as fait le 100% hein, toi Ravenor, sur le jeu. Oui, t'as fait tous les tableaux d'affichage et tout. Il y a un mercenaire là. Tiens, on a pas regardé du coup les mercenaires. Est-ce qu'on a changé d'échelon? Non. On lui a pété la gueule, du coup on est passé là. C'est qui qu'on vient de croiser là? C'est elle qu'on vient de croiser? Ah non, Phylas au-delà des mers. Niveau 38. Oh le fou. Il est échelon combien lui? Subit l'est de marbre. Augmentation des dégâts du aux assassinats. C'est bien ça qu'ils mettent des petits trucs. Du coup on doit. Si on sait qu'on doit aller le buter, on se prépare une petite arme ou un truc comme ça. À l'aise blaise. Oh.
Y a des quêtes qui reviennent un peu en boucle, genre quotidienne, mais dans l'ensemble j'ai tout prévu. Ouais, les quêtes qui reviennent tout le temps. Mais est-ce que dans les tableaux d'affichage il y a des quêtes uniques? Déjà une fois que tu les as faites, tout va bien quoi. Ravi de te voir. Ou est-ce que c'est toujours des quêtes qui reviennent et c'est toujours ils font pop des bandits et basta, t'y vas et puis c'est tout. Quête qui a pop ici, on va aller la faire. On va aller faire lui. Il y a un truc là-haut aussi. Oh là là, y a pas de truc. On garde ça pour la fin, on le fait maintenant. Niveau 7. Oh, on va peut-être aller le faire s'il est niveau 7. Hein. Sinon on va rouler dessus. Fais des gravures. Mais ça sert à rien, je change d'arme tous les 2 secondes. Est-ce que je vais faire des gravures? Oh merde, pardon madame. Et du coup c'est quoi? C'est un gars que je dois assassiner ça? Ça se passe. Je jure je peux brain le jeu, non? Pour les dieux. Maintenant que le chef athénien est mort, je dois retourner voir Stentor. Je joue à l'arc avec moi lui. Il y a un chien. Oh merde! Oh! Il y a un mercenaire à mon cul! Niveau 10, vous pensez que ça passe? Ah, je suis passé niveau 10. Il y a surtout 3 mercenaires à ton cul. Ah ouais? Ah oui, c'est les crânes en bas là! Oh merde! Attends, on va prendre l'assassinat critique là. Du jour. Voilà. C'est qui celle qui est à mon cul là? Celle qui vient de tuer le gars devant moi là. Réa la maladroite. Réa la maladroite. Là ici. Elle est à l'échelon au-dessus. Là, qu'est-ce qu'on peut savoir sur elle? Alors. Ok. Augmentation des dégâts du haut feu. Elle aime pas le feu. J'ai pas de truc avec du feu facile. Dans mon inventaire j'ai eu quoi? Un arc. Dégâts de feu, ouais mais fait pas 2 dégâts de feu. Le fait qu'il y ait 4% dégâts de feu, c'est que si j'ai un arc, si tous mes dégâts de feu sont augmentés, mais mon arc fait pas du feu. T'es d'accord? Une culotte. Oh, niveau 10, on prend. Là le dégage. Des armures de bois. De bout de bois, je te fais un feu, moi. Moi aussi, je t'en fais 12. C'est quoi ça? Liste des gravures. Ah oui, c'est tous les gravures que j'ai. Bah, c'est vrai qu'on pourrait les mettre parce qu'au final, après, je sais pas si on peut améliorer des gravures ou quoi. C'est vrai que. Est-ce qu'on peut fusionner des gravures ou machin? Parce que les niveaux 1, on s'en fout, je pense. Au bout d'un moment, on s'en foutra. Autant les utiliser, enfin, je sais pas. On peut pas l'assassiner, hein, pour se planquer. Vas-y, on va essayer de l'assassiner. On offre une belle prime pour toi. C'est dommage. Quoi? Que quelqu'un accepte. Ouf. Allez, bim. Je vais. Ah. Oh non. Oh non. Ah, il y a une tête de mort. Non. Non, non, il faut que je me casse. Putain, je l'ai entendu en plus. Je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, il y en a un. Mais je pensais que c'était des Athéniens de mes couilles. Oh merde, quel con. Oui, c'est ce que je fais. Écoute. Et peut-être qu'ils vont tuer l'autre. Ouais, je vais me casser dans les montagnes parce que là ça craint. Si elles vont s'améliorer, mais je crois que tu devras remettre la version améliorée. Mais tu peux déjà mettre les petites gravures. C'est pas trop cher pour graver. D'accord. Ouais, mais je change d'arme tout le temps en fait, c'est ça qui me.
Alors, ils étaient combien là? Parents sûrs. Non, mais attends, mais regarde ça! Il y a un niveau 11, il y a un niveau 10 et il y a un niveau 12. Ah, le niveau 12, je l'ai vu avec une tête de mort, j'ai couru. Mais ils se battent entre eux là ou? Ah, moi je les laisse faire. Hein. Et là, il y en a un 38, mais il faut pas que je me batte devant lui. Ils sont tous à mon cul. Attends, j'ai buté l'autre. Bon, niveau quête. On l'a pété son cul. On doit rendre compte à Stentor. On a découvert qui là? On a découvert bah, tous ceux qui sont au-dessus de moi en fait. Les trois là. Bon, il est costaud lui. Ah, Népépon, Népépon, Népépon. Il va me péter eux, il est costaud. Il est costaud. Si tu as mis, elle s'améliore pas. Il faut mettre quelques fers. Oui. Et là, c'est qui là? 45. J'ai croisé ça? Sérieux, j'ai croisé ce truc, ce bazar là. Du coup, est-ce qu'ils m'ont lâché? Pas l'air, hein. Pigeons. Ils sont. Ah là, mais cher, tu vois, là je peux. Je peux l'affronter comme ça de loin, mais pas les trois en même temps. C'est mort. Là, c'est la niveau 10 là. On l'a déjà entamé en plus. Ah, merde, Yassi. Oh! Mais on est trop bon, on l'a poule. Évidemment, il y a des loups qui vont nous casser les couilles. Je suis occupé, monsieur le loup là. Très chaud. Elle se ramène ou quoi? Ouais. Elle est pas toute seule. Elle est vraiment pas toute seule. Si, elle est toute seule. Oh, coup de pierre tourné qu'elle m'a foutu. Oh, elle fait mal à la lance. Au moins, je vais... Non mais l'autre là-bas, il est excité de notre combat. Ça fait mal, hein? Viens, on monte un peu. Bim. Do it! Just do it! Elle fait chier, elle enchaîne. Je t'ai eu avant. On se garde quand même une barre pour au cas où on doit se soigner. Pourquoi je rame comme un ouf là? Même les dieux doivent être impressionnés. Elle se bat? Allez, trêve maintenant. C'est toi qui vas crever, madame. Tiens. Merde, son corps il roule. Alors ma boule, ça roule. Oh, une belle lance. Oh, j'aime bien jouer la lance en plus. Oh, je suis super content. Les trois, je les mange. Ah oui, c'est vrai qu'on peut payer pour qu'ils arrêtent de nous courir après. On va péter leur cul, c'est pas grave. Hein. Oh, dommage que c'est des dégâts de chasseurs et tout. Les chasseurs, je me les fais. Peut-être pas le niveau 12. Le jeu est vraiment bizarre parce qu'il y a des endroits, genre ici, il y a pas... Ça doit être l'animation de la végétation ou quoi qui fait casser les couilles. Oh, ils sont barrés là? Non, ils me cherchent, les bâtards. Ah oh. Bon, digestion là, t'as fini? J'ai pas trop aimé le chasseur dans ce jeu. Bah moi j'ai joué chasseur dans Origin, donc je change de gameplay quoi. On est d'accord que je peux pas retourner ici tant qu'ils sont dans le coin. Hein. On va se casser du coup. On va aller retourner voir Stentor. Par là, la musicienne. Pourquoi je sais quoi cette quête là qui est à pop là? Non, c'est un event. C'est un événement. Par la musicienne. On va aller voir. Ça pop comme ça.
que, hein. C'est quoi ce loup là? Pourquoi il est aussi haut niveau? Il me suit. C'est pas tranquille. Besoin d'aide, dis-moi. Mon mari est madame. Un soldat, ouais. Un vrai spartiate. T'es fière? Quand il est à la maison, je joue de la lyre pendant qu'il me raconte ses batailles en me peignant les cheveux. D'accord. On peut lui faire un gros... Oh, oh, alerte ah, merde, au gogol. Je me suis trompé. Alerte au gogol, les enfants. Pardon, me suis trompé, c'est ça que je vais faire. Non, ça. Bon, les couilles, frère. Voilà, c'est pas les couilles, plus. Ouais, c'était le bas les couilles. On va dire ça de ta grève, on va faire le gars sympa. Pas aussi bien. Le gars sympa. Tu as de la chance. J'aimerais lui envoyer une mèche de mes cheveux, mais nous sommes spartiates, et il préférerait peut-être que je lui offre la mort d'un chef athénien. Très émouvant. Oui, c'est si bon d'être amoureux. Elle va pas me demander ça quand même. Alors tu cherches un mercenaire pour le tuer? Oui, ce dirigeant doit mourir. Bon, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai déjà arrangé ça. Ah ouais, j'ai déjà buté. Dieu m'a souri en arrangeant notre rencontre. Voilà pour ta peine, Mistios. Oh putain, une quête déjà faite, c'est bon ça. Commence. Elle va me donner des sous. Oh, presque 500 balles en plus. Ça, c'était de la quête facile. Hein. Pourquoi t'as mis cherche? Je cherche rien du tout. C'est pas origine ici. Ah ouais, là t'es récompensé. Origine, t'es récompensé avec des merci. Ça c'est... Ah c'est naval. Naval. Une quête navale. On va retourner à mon bateau maintenant. On va aller voir Stentor là. C'est quoi toutes ces quêtes qui pop là? Rendre compte à Stentor. Ah non, ça c'est ma quête. Et ça c'est quoi? Rendre compte à... Ah oui, Dolios, c'est parce qu'on a tué Ikranos, d'accord. Et ça c'est ma quête. Bien. Et en fait celle-là, cette quête-là, elle a pop parce que j'ai tué le dirigeant. Okay. Bon, là ils commencent à se barrer les mercenaires qui passent les burnes. C'est bien. Et après on pourra se re-TP ici en déplacement rapide pour revenir dans cette île. Ah et merde, l'autre île est là-bas. Est-ce que je peux me le faire niveau 11, vous pensez? J'ai cru que t'allais chercher quelqu'un. Non mais... Le cherche, il a pas du tout ce sens là. C'est pas parce que elle a dit ah, il faut aller voir quelqu'un, que c'est que le cherche c'est genre quand je suis paumé, quand je sais pas où aller, quand je sais pas ce qu'il faut faire. Pas quand il faut chercher quelqu'un. Je pense pas que cette animation a pour but de dire ça. Oh putain, cette capture d'écran, mais y en a, ils sont forts. Hein. Belle lune bien sortie de la grotte là. Allez, on va aller voir ça. En espérant que... Assassinat pas efficace dessus. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je vais engager un combat avec de l'assassinat. Je dois rester hors de vue. Merde, je suis dans un endroit où j'ai pas le droit. J'ai fait cet endroit, on s'en bat les couilles. C'est moi la photo. Zixel. 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 Ah bah Zixel dans du Zuxé, hein. Zixel, ils ont mal dans la photo, oui. Putain, les gars, ils perdent jamais l'équilibre. Pas une tyrolienne, là. Zixel, c'est moi, mais bien sûr. Dis-moi pas ça, sinon je vais t'appeler Zizel. Hein. On bat les couilles. Pourquoi je vais à pied? Je sais pas. J'ai envie d'aller. Oh, il se passe quoi ici à la texture? Il manquait de l'herbe. Je sais que j'ai baissé un peu le fouillis de l'herbe, mais. Non, c'est moche, erreur de jeunesse. Mais c'est pas toi, je suis sûr, c'est pas toi. Il y a très très peu de chances que je tombe sur toi. On est même pas en ami Uplay, attends. J'ai même pas d'amis sur Uplay. Ah si. Ah j'en ai pas mal quand même. Et j'ai pas de Zizel en ami, donc ce serait fortiche que ça soit toi.
Tiens, j'ai tué ton Hyrcanus, mercenaire. Le mercenaire est mort. Sparte te remercie, Mystios. Donne-moi des sous. Oh. Et ma récompense? Ouais, j'allais dire. Nous n'avons pas conclu de contrat. Oh, quel c'est bâtard. Toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte t'est reconnaissante. Formidable. Putain, elle a disparu. Ah ouais, il a carrément disparu. Je peux même pas dire d'aller l'assassiner en scred. Non, il a disparu. Dégoûté. La dégoûtance. Ok, et on va aller voir ça. Dans notre belle récompense et tout. Il y en a un qui est là-bas, c'est le niveau 11. Assassinat pas efficace, c'est le feu efficace. On n'a rien en feu. Ah, c'est moi. On voit quand c'est moi qui fais les photos. Je suis sur PS4, mais c'est moi. Tu te rends compte le peu de probabilité que je tombe sur toi? C'est-à-dire que aléatoirement, il me met des photos de gens dans le monde qui auraient pris des photos. Genre, je tomberais sur toi. En plus, c'est sur PS4. Mon avis, c'est que des photos de gens qui sont sur Uplay, sur les serveurs Ubisoft. Mais c'est peut-être. Hein. Enfin, je sais pas comment ça marche. Mais... Allez, je veux parler à mon père. C'est bon. Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef athénien est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Ouais. Allons tuer des Athéniens. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui. Il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons. Dans le cul. Cléo, Satan. Toi, tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens. YOLO! Attends, on n'y est pas encore. Dis pas YOLO, c'est même pas si ça va être YOLO. D'accord, je suis prêt. Suis-moi. Nous devons nous préparer en vue de la bataille. Bon, parle-moi du loup. C'est un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non. Dis-moi quel genre d'homme. Quel genre de père il est. Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Papa. Et parfois, je... Oui. Rien, mais son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Il est amoureux de lui ou quoi? Comme de la tristesse. Peut-être gay. C'est le chef militaire de Sparte, mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ah bon? Il pense à moi peut-être. On va avancer plus vite là. J'ai un beau casque. Allez, on y va. Allez, allez. On peut aller tuer des gens. Allez, allez, vas-y, vas-y. J'ai envie de faire la bataille. Allez, c'est quand qu'on arrive? Quand est-ce qu'on est arrivé? Je dois faire pipi. Allez. Imagine. Le mercenaire. Il en peut plus. Je vais tuer. Ce serait bien qu'il y ait un autre mercenaire ennemi qui vient me voir là. Comme ça, je suis. Ça risque d'être un peu différent des combats auxquels j'ai pris part. Quoi, monsieur? Allez, hors de ma vue. Ah, assassinat critique, c'est quoi? C'est vrai que j'ai même pas regardé ce que c'était, assassinat critique. Attaque discrète d'une précision meurtrière. Son exécution nécessite d'être à portée et hors de conflit. Ah, je pensais que c'était un truc automatique. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire qui clignote là? Qu'est-ce qu'on a eu? Notre lance. Ah non, ça. C'est plus mot sur la tronche. Bataille de conquête. Après réduction de la puissance nationale, une bataille de conquête devient disponible. Athènes et Sparte. Récompense à l'aide d'équipements épiques. Les batailles de conquête. La défense d'une nation est plus simple, mais bien moins récompensée. Attaquer une nation est bien plus difficile, mais offre des récompenses plus élevées. Alors, je suis prêt à me battre.
Oh la fatigance. Ah, après la bataille. Un petit FK. YOLO! Là peut-être. C'est un peu mieux placé, mais on sait pas, on verra le champ de bataille. Le YOLO, tu sais, il faut le mettre quand tu me vois, je pars dans le tas. Je fonce dans le tas, je tabasse tout. Un bon YOLO. What do it? YOLO, c'est pas juste... Oui, on va le faire. Non, c'est... Foncer dans le tas, YOLO. Et là, pour l'instant, c'est un chargement. Là, pour l'instant, c'est... C'est YOLO. YOLO, YOLO. C'est un few moments later, là. Là, là il faut mettre un few moments later. De chargement de DQ. 10h30. Ah, allez. Faut plus le mettre, faut plus le mettre. Faut plus le mettre. Bon, bah, décalage oblige. Alors, des Athéniens. Do it! Voilà. Just do it! On se fait un peu de petit, hein. Je sais que on gagne plus à aller tuer les gros. Alors, où est-ce qu'il y a des gros? Attends, lui il va m'embêter. Merde, j'ai tué un pote. Oh là, de lâche, il y en a plusieurs. Bim. Il n'y a pas des gros mastocs là, là-bas. Voilà, là ça leur fait un gros coup dans le moral là. Bah oui, je me doutais que c'était des chefs qu'il fallait péter. Là. Vous allez mourir. Mais lâche-moi toi. Blaz. Oh, ce que je lui mets. Oh, lui. Quoi, si on pète tous les généraux, ils ont plus confiance après. Flip après. Tu es le capitaine ennemi. Il est où? Là-bas. Bim, spaf. Allez, casse-toi toi. Tu repars derrière, propre. T'as aimé? Ah, ton roi la lance, il est mortel hein. Il se barre, il flippe. Victoire, la faction Sparte a vaincu la faction Athènes. Mégaris est désormais dans le camp de Sparte.
Au fait accompli, 21 soldats tués, 4 capitaines. 600 balles. Nice, merci, merci. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les forts, ils deviennent spartiates? Ils sont plus à Athènes? Bon, je peux parler à mon père maintenant? Qu'est-ce qu'il fait torse poil, lui? Le loup réclame la présence du mercenaire. C'est cool, ça. Oh. Annonce-lui que nous arrivons. Là-haut? C'est pas là-haut qui m'a... Je suis tombé de la falaise? Mais il veut voir le mercenaire seul. Quoi? J'ai dit que le général... Il le sait. J'ai bien entendu. Il sait. Mais il sait que c'est moi. Je ne comprends pas pourquoi. Il sait que c'est moi. Il sait. Je ne discute pas ses ordres. Il sait, il sait. Très bien. Une vieille gueule, il y a un air à Jules César, lui. Votre devoir m'attende. Oh, oh, le jaloux. Il est jaloux, je t'ai dit, il est amoureux, il est gay. Oh, genre, j'ai une haie d'honneur et tout. Oh, on a un beau chapeau. Il faut que j'aille voir mon papa avec un beau chapeau. Hop. Boquette. Ça avance, ça avance. Faire parler Nicolas. Oh, comment on se la joue, les amis? Comment se la joue avec mon papa? Le loup t'attend. J'ai bien battu aujourd'hui. J'ai mis un chapeau d'Athènes là. Ne fais pas attendre. Le vieux ne rien tenter. Oh, il y a le mercenaire pas loin. Attends, attends. Oh, et l'autre il est juste là. Oh, merde, vite. Quoi qu'il me chope. S'il me chope, je suis dans la merde. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Suis, cherche. Ouais, je sais pas. Comment on le joue? Au chapeau athénien. Ouais. Je suis dans le camp Sparte, j'ai un beau château athénien. Un château? Un chapeau. Allez, avant de parler à mon papa, on va faire une petite pause, les amis. Je sais pas comment on va se la jouer. On va faire genre nous on sait, et on va faire semblant de rien. Pour voir ce qu'il peut dire sur son fils ou ses regrets, etc. On se la joue comme ça? Bon, on se retrouve dans 5 minutes. 5 à 10 minutes. Je vous mets une petite pub. Et un écran d'AFK. A tout à l'heure, les amis.
Coucou. Yo. Salut JM. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le follow. Ah, les alertes, ils mettent 10 plombs ce soir. C'est vrai que je suis seul, pas de pub. C'est pas Johnny, c'est JM. C'est vrai que je suis seul, pas de pub. Enfin, soit t'es, je sais pas si les subs ils ont pas de pub. Je sais pas comment ça marche. T'as peut-être adblock tout simplement. Allez, on parle à mon papa. Les souvenirs, les souvenirs. Putain, on a vraiment mis pause juste avant. Tu peux pas rester, mais je te dis bon live. Bah, pas de soucis, tu repasseras une prochaine fois, mon ami. À la prochaine. Ainsi, c'est toi qui nous a apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héros, que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Oh, le coup de vieux. Tu vas me reconnaître ? Kéré, père. Cela faisait longtemps. Non. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombé. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger ma sœur à ta place. L'oracle avait déclaré que Cassandra devait mourir. Sa parole est sans appel, tu le sais. Il est trop tard, tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Les textures, elles sont si dégueulasses, je l'ai pas mis dégueu le jeu quand même. Je ne peux pas changer le passé, Alexios. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Je venais chercher des réponses. Ah, on fait quoi? Tu as trop longtemps fui le passé. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu mérites la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Ouh, ouais, je sais, toi tu l'as tué parce que tu fais toujours le gros connard dans les jeux. Blablabla, t'es un méchant. Et c'est un sort bien pire que la mort. Alors qu'en vrai, tu le ferais pas, ça. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. Je t'ai aimé. Le respect sur 10 là. Bah non, mais tu me dis toujours, tu fais toujours les choix. Les choix des méchants. Mais ça n'a jamais été le cas. Que veux-tu dire? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Attends. Elle est pas morte? Elle est encore en vie? Retrouve ta mère. La retrouver? Elle a disparu? Myrine où qu'elle soit. On sait beaucoup plus que moi. Oh oui, j'ai envie de revoir ma maman, savoir tout ce qui se passe. Où vas-tu aller? Chercher mon honneur. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Oh, moi je les donne au requin. Il faut que je parte d'ici. Je dois retourner voir Barnabas. Il y a le Tamba qui m'attend là. Oh, wow, on a un truc légendaire. Il monte. Vite, il monte. Alors, inventaire. On a eu le casque. Non, on a pas eu un casque, on a eu une épée. Ah si, là, le casque du loup. Porté par Nicolas, puissant général en l'honneur de son nom. Ah, donc on va deux. Ah, on va dire à l'autre. Ah, je commence à comprendre. On va faire croire à Lot. Un dégât d'aptitude, coup de pied spartiate. Oh! Oh, mais ça c'est marrant. Puis dégâts sur soldat Athénia. C'est pas mal. Hein. Après, j'aime bien ma lance.
de mon papa. À toi pour coup de pied. Spartiate de quoi? Attends de quoi? Ah, je peux pas le faire. Je peux pas l'améliorer. Je vais reprendre ça. Ça, c'est quoi? C'est un truc à affecter. Ouais, non, alors ici on a débloqué quoi? Un souffle soudain étourdit les adversaires. C'est quoi? C'est un pouce roda? Prendre soin de l'équipement présente des avantages. Augmentation de l'armure 30%. Ah, c'est pas mal. Oh. Appliquer des dégâts de feu aux armes de corps à corps et flèches ordinaires pendant 15 secondes. Lorsqu'elle est remplie, les signes. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On peut faire ça pour être. On pourrait se spécialiser dans le feu. Mais pour l'instant, on va prendre ça. Là, je peux rien améliorer. Il faut progresser dans l'histoire. Pour tuer le mercenaire. Je tue le mercenaire avec le coup de pompe. Parce que là, le mercenaire, il arrive. Hein. On veut. Hein. Casser la gueule. Hein. 5% dégâts crit. Nouvelle gemme disponible. Casser la gueule. Je charge depuis tout à l'heure, il me saoule. On va essayer de le faire. Oh, on essaie de faire tomber de la falaise. Ah, mais. Oh le barbu. Barbu chauve. Il cherche, hein. C'est un enfoiré quand même, il cherche. Il est où? Non! Allez, viens. Mes camarades. Oh, j'ai failli tomber. Non. Faire bugger un petit peu. Merde. Quoi? Oh, il est tombé dans l'eau. Oh merde. Il est tombé dans l'eau. La tristitude, il est tombé dans l'eau, merde! Tu peux l'assassiner d'ici ou pas? Il y a un archer! Protégez-vous! Oh, comment il trace? Mais what? Je crois d'où viennent les tirs! Des flèches sur nous! Ah ouais, tout le monde m'en veut là. Oh, je suis deg, je l'ai jeté dans l'eau. Vraiment pas de chance. Non, j'ai pas fait attention. Cours, Forest, cours, vite. Ouais, j'ai aggro tout le monde là, ouais. Tout le monde m'en veut là. Pourtant, j'ai pas tiré une flèche sur des... Ah. Oh, putain de merde, mais je pouvais me le faire facile, il était pas si dur. Hein. Il avait un niveau de plus que moi, pour autant, je pense que je le déglingue. Sparte qui est en bas. Oui, là où c'est des Athéniens. Il n'y a plus d'Athéniens, on a gagné la bataille. Ouais, ils sont en mode buguette de ouf. Je fais à votre avis, les gars. Petite flèche dans sa gueule à lui. Il reste en bas. Ah, l'autre il s'est débugué. Et c'est l'autre qui a pris sa place dans le bug. Putain. On va aller toucher lui. On va aller défoncer lui là. Lui il va monter tranquille. À son aise. On va aller occuper de monter. On va se cacher. Dans ici. Voilà. On va le regarder monter tranquille ou bilou. Et on va lui casser la gueule.
C'est long, hein. Ah, ils prennent leur temps. C'est des mercenaires tranquilles. Pour faire un assassinat critique, il faut maintenir la touche. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était un critique là sur celui d'avant. Oh, il est costaud, lui. Tu montes pas. Encore bugger de la balotte. Ouais, on va le laisser bugger d'un peu. Il me voit ? Oh, il fait déjà demi-tour. Normalement, je suis caché. Oh, fais pas demi-tour maintenant, s'il te plaît. Bah, il me voit. Ouais, c'est peut-être une particularité qu'il a. Voix dans les buissons. Alors, quel là qu'on a devant nous? C'est celui-là. Bon, les assassinats ça sert à rien et le feu, il aime pas le feu. Mais les témoins efficaces, les assassins. Bon, lui, qu'est-ce qu'on fait là? Il fait chier à pas bouger. C'est ce délire. Genre le jeu il sait que je suis là et il... Peut-être réussir à lui casser la gueule quand même, ouais, ça passe. Et l'élève va se retourner. Qu'est-ce qu'il y a votre... YOLO. Oh, il tombe pas. Putain, la lotte, non? Oh merde, l'autre il arrive aussi. Oh, on va en gérer deux. Oh, peut-être pas. Allez, on peut en gérer deux, je le sens. Oh merde. Do it! Allez! Just do it! Non, 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 non. Oh l'enculé. Tu vas vite perdre ce sourire. Tu sais comment... Ce sont les... Eh, je pourrais le recruter. Eh, je le recrute. Je cherche des marins. Et je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. Énorme. C'est vrai que je devrais les recruter en fait, parce que c'est les plus forts. Je pense. C'est censé être les plus forts. Et ça donne au niveau navire. Alors lui, il fait quoi? Blindage. Ah oui, ils sont épiques.
Tête légendaire en plus, ah ouais. Il est pourri, il dégage des flèches. Comment je fais pour avoir plus de trucs? Améliorer la coque. La coque. C'est quoi la coque? Qu'est-ce que j'ai passé? C'est vrai que je devrais finir avec un coup de pied pour les recruter à chaque fois. Alors, on a eu des brassards aussi, me semble. Yeah! Bon, ça. On va essayer d'en trouver ma maman. On a une jupe. Bronze. Alors, ça fait deux mercenaires quand même qui étaient un à mon niveau et un plus haut niveau que moi. Ah, là, ça, si c'est pas la classe. Ah! On peut mettre d'autres types de flèches? Nice! Ah, j'aurais dû recruter l'autre aussi, il était costaud là. Parlez à Barnabas! Alexios savait que sa confrontation avec Nikolaos avait fait de lui une cible. Il devrait fuir Megaris ou affronter l'ensemble de l'armée spartiate pour ce qu'il avait fait. Ah, donc les Spartiates sont pas contents avec moi là. Une quête là-bas qu'on a pas faite. La quête principale elle est là-bas, mais avant de dégager, on va finir la zone. Moi j'en ai deux légendaires sur mon bateau, oh la classe. On va essayer de se faire que peu d'avoir des légendaires aussi. On va le faire la quête là. Après cette quête là je pense que je vais aller me pioter. Et la quête. Le loup un peu dégagé de ta faute quoi. Ouais bah oui. Bah oui. Il est censé m'avoir tué donc si je suis là il peut pas. Il est obligé de se casser quoi. Parce qu'en fait, ce serait un mensonge le fait qu'il ait tué ses enfants. Voilà, il n'y a pas de saut du pigeon. Ah si, j'allais dire. C'est quoi cette icône là? C'est quoi cette icône? Un autre loup. Un autre jour. Inquiète. Pourquoi ces quêtes qui pop comme ça de temps en temps? Il te faudrait un coup de main? Ça te plaît cette situation, pas vrai? Quoi? Tu joues les héros pour les forces spartiates en Megaris et tu crois maintenant que tout est permis? Quand je pense que la ville m'a commandé une statue de toi. Ah bon? Oh, j'ai fait ce qu'il fallait. Une statue est superflue. Avant que je me mette à créer une statue en ton honneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour le peuple. C'est sûr que je fasse, madame. Une meute de loups harcèle mon village. Tu aimes jouer au héros? Alors c'est l'occasion. Bah je vais casser la gueule au loup. Bah ouais, on va les buter. De vrais loups. Pas un spartiate imbu de lui-même avec un casque grotesque. Oscalami. Tu veux que j'aille tuer une meute de loups? C'est tout à fait ça. Tu veux bien t'en charger? Je vais tuer les bêtes. Je vais t'aider. Tu as ma parole. Surtout prudence. Laisse-moi faire. Ok, bah allons-y. Ils sont où ces loups? Ils sont où? Là-bas. Ils sont près du champ de bataille. Ça fait esprit ou quoi? Il y a encore des mercenaires à mon cul. Attendez, je les ai butés les mercenaires. Pourquoi je l'ai encore plein mon cul? J'ai passé un échelon en fait. Ah oui, on est échelon 8. Nice, recruté. C'est pas qui a mon cul. Donc tu vas pas tuer les gars qui payent ou le payent. Ça sera chassé. Sauf si t'es sage. D'accord. J'ai déjà vu ici. Tu es le loup pour moi, c'est gentil ça. Ah,
Allez, attends, ah, me tapez pas moi. Les senteurs du printemps sont dans l'air. Ça me rappelle Sparte. Quel âge fou vu le nombre de personnes qui habitent, c'est chaud. Mes petits amis, je vais me coucher, je suis rincé. Bonne nuit, Ravenor. Merci d'être passé, en tout cas, ça fait plaisir. On se revoit une prochaine. J'espère te revoir en live quand même, ce soir, sous peu. T'essaies de me tuer ou De toute façon, je vais pas trop tarder. J'ai travaillé comme un ouf aujourd'hui. Tu es de retour? Tu les as tués? Oui. Je me suis occupé tout seul, problèmes. Presque. Jusqu'au dernier. Les dieux ont été généreux en me permettant de te rencontrer. Voilà un gage de gratitude. Une journée comme les autres. Ouais, semaine pro, je me motive, je suis en congé. Ah! T'es en congé là du coup? C'est congé à la fin de la semaine pro. Ok. Arrêtez de me mettre des quêtes sur mon passage. Oh. Oh, il y a l'Abdakos des profondeurs. Au niveau 45. On va pas le provoquer celui-là. Oh, regardez ça, il y a une armure en or et tout. Congé de demain soir. Allez. Oh putain, je me crois vendredi. Courage. Parce que comme demain, je suis en télétravail. Pas que je branle rien, mais. Fait d'être chez soi, tu sais, ça fait toujours un petit air de vacances, entre guillemets, de week-end. Ouais, j'ai tué assez de loups pour aujourd'hui. On va aller là-bas. Plus de child, ouais, exactement. Pareil demain TT. Yeah. Et justement, moi, quand je suis en TT, surtout le vendredi, je fais généralement, dans mon esprit, c'est comme je suis en week-end après, je travaille bien, tu vois. Puis je travaille à Donf en me disant pourquoi après je suis tranquille pour le week-end. J'ai horreur de partir en week-end avec si un truc je sur le feu. Se souvienne de moi, il faut que je parte d'ici. C'est qui Alexios, je ne t'avais pas revu depuis que tu m'as emmené voir les ruines d'Ulysse. Ah, c'est elle. Tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Ah. J'avais oublié comment tu es belle. Je rencontre beaucoup de gens, mais... On va draguer un peu. C'est vraiment toi la plus belle. Oh, c'est vrai? Eh bien, tes paroles chassent un peu mes soucis. On va peut-être parler. Si tu as un peu de temps, nous pourrions en profiter pour mieux nous connaître. À quoi penses-tu? Eh bien, à plusieurs choses, mais... Commençons par discuter un peu. Oui. Ce serait bien. Oh, oh bien. Elle m'a pas remballé. Alors, ça te tente? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Qu'est-ce qu'elle doit trouver? Si tu m'aidais, nous pourrions peut-être continuer cette conversation. Peggy 18. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi que des potions à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit vraiment être souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Qu'est-ce qu'il a, ton père? C'est des potions pour ton père? Non. Et son état ne s'arrange jamais. Merde. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. Et il a le shoot, en fait. Elle le drogue. S'il meurt, tout ce domaine t'appartiendra, non? Oh, la question de merde. Mais je le vendrai. Ah, ça va, elle le prend bien. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre odyssée? Quel est ton lien avec l'Odyssée? Pourquoi ce nom lié à l'Odyssée? Je suis une descendante d'Ulysse. L'Odyssée, peut-être Odessa. On va appeler Raoult. Bon, allez, j'y vais. Reste auprès de ton père. Je reviendrai avec les herbes et la décoction. Ah putain. Est-ce qu'il est moche ce casque? C'est lui son père. Ça va, monsieur? Odessa est dévouée. Je m'inquiète pour elle. Allez, forge tout au chinevi. Allez, faut que je t'annouche ta teenage. Bon, allez, on va save ici, les amis. Je suis rincé, comme dirait Ravenor. La sauvegarde, tac, on est à 8h45 de jeu. Même si on s'en fout du temps de jeu, etc. On avance, on avance, on avance. Pour la route. Oh, le combo. Oh, le combo.
Bon allez, sur ce, les petits amis, merci d'avoir suivi. C'est bien sympa. J'aime encore ce jeu. Voilà, après 8h45, j'ai encore envie d'y jouer. On se revoit, je ne sais pas quand. Au revoir. Peut-être demain. Au revoir. Ce week-end, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas. Oh, pardon, je bike off. N'hésitez pas à me follow, les amis, sur Twitch, comme ça je serai dans votre fil des personnes en train de stream. Donc voilà, dès que je suis en live, vous pouvez même activer la notif. Hein. Dès que je suis en live, vous recevrez une notification directe sur votre téléphone. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne soirée, ou bonne ceux qui viennent de se lever, une bonne journée. Des gros bisous, à la prochaine, restez connectés, et surtout, ça c'est le mot d'ordre. Surtout amusez-vous dans ce monde de merde. Très important.